Bonjour BlockNT, alors on va vous présenter Yujut. Yujut, c'est une application qui permet de poster des informations sur une carte. Et ces informations, en fait, vont notifier tous les utilisateurs qui sont dans un périmètre d'un kilomètre. Et l'information va durer 4 heures. C'est des infos très fraîches parce qu'en général, elles proviennent soit de nos users, soit d'Instagram, soit de Facebook. Elles sont reliées à votre compte Facebook. Et ça permet d'être connecté avec la réalité puisqu'on peut intervenir sur les événements puisqu'ils se passent toujours autour de nous. C'est le principe. Bien sûr, on peut consulter des événements qui sont à l'autre bout du monde, voir par exemple des photos de Babette, de Bali, de New York. Mais avant tout, c'est du consulting, ça, on reste nous concentrés sur l'information locale et l'interaction avec l'information. Parce qu'après, se rendre en Inde en 4 heures, ça va être chaud après. Ça va être chaud parce que s'il y a une super soirée en Inde, ça sera terminé le temps qu'on arrive. Ouais, c'est ça. C'est pas très cool. Ça va être... Et sinon, le web pour vous? Le web, c'est un peu le Graal pour les jeunes entrepreneurs. Donc, on est très très fiers d'avoir été sélectionné dans la startup compétition et on a rencontré beaucoup de gens et c'est une super conférence et voilà, je pense qu'on reviendra qu'on ait gagné, qu'on n'ait pas gagné parce qu'on est en développement et on avance et c'est toujours cool de rencontrer plus de personnes. Super. On passe à la découverte de service. Absolument. Super. Alors là, on est en fait sur la zone du web actuellement. On voit qu'il y a un certain nombre d'informations. Là, il y a tout Paris, il y a énormément d'informations qui vont se regrouper petit à petit. Mais nous, on va essayer d'aller se reconnecter sur la zone de la plaine Saint-Denis. Et là, alors, on voit tous qu'il y a... Tous ces événements, ce sont bien sûr des événements qui sont rendus publics et qui vous permettent d'être récupérés automatiquement, c'est ça ? Alors, il y a des événements qui proviennent de notre réseau ici et il y a aussi des événements qui proviennent d'autres réseaux. D'accord. Parce que le principe aussi, c'est d'agréger des contenus, soit qui sont des contenus desquels on est très proche, comme par exemple, là, c'est un contenu provenant d'un ami Facebook, parce qu'il y a un petit F dessus. Là, c'est un contenu provenant d'Instagram, il y a une petite... on a un petit drapeau Instagram dedans. Ensuite, il y a un chiffre à l'intérieur qui dit est-ce que l'info a été likée par quelqu'un ou pas. Là, par exemple, quand j'ouvre cette photo, petit passage au maquillage. Donc ça, c'est quelqu'un qui est... c'est quelqu'un qui va passer sur la plénière 2, a priori, qui est en train de se faire maquiller. Et cette info a été rejoltée par Xavier Plech, c'est-à-dire moi-même. Et il y a un rayon de propagation sur l'information qu'on peut activer en appuyant sur le petit œil qui montre que cette info, elle rayonne à 1,1 km, parce que comme elle a été rejoltée, elle va durer donc une heure de plus que ce qu'elle devait durer à la base, c'est-à-dire qu'elle a une demi-heure à peu près cette information. D'accord. Et maintenant elle a duré 4h34 au lieu de 3h34 si je ne l'avais pas rejoltée. Ouais. Et elle se propage sur 1,1 km au lieu d'un kilomètre. D'accord. Voilà. On peut vraiment voir tout un détail d'une publication qui a été faite. Absolument. D'accord. Et là, du coup, ce que je peux faire, c'est faire un petit jolt. Je suis à le web avec Johan de BlockNT. Tiens, je vais le prendre en photo d'ailleurs, Johan. Cool. Donc, je valide ma photo. Parfait. Et puis... Donc, at le web avec Johan de BlockNT, je peux aller sur Twitter, Facebook et publier ça pour mes amis ou pour le public, c'est-à-dire tout le monde. On va le mettre pour tout le monde. Et je valide mon jolt qui va se poser sur la carte dans quelques instants, si tout va bien. Et parfois, ça va bien. Alors, il y a des petits problèmes de réseau ici, donc c'est normal. C'est le petit effet démo. Voilà, il est là, absolument, tout va bien. Et comme il me plaît beaucoup, je vais le mettre en favori, avec la petite étoile, comme ça, il ne s'effacera jamais, même quand il sera mort. D'accord. Voilà. Sur le web, on peut retrouver les infos et faire des recherches sur les jolts morts aussi, parce que c'est un peu une chronique de vie quotidienne d'une ville ou d'un lieu, parce que toutes ces données racontent quelque chose de façon très dynamique. D'accord, donc... à l'instar de d'autres applications, on a une partie mobile et on a également une partie web où on peut visionner toutes les publications, etc. Le truc, c'est qu'on s'est dit, parfois, des gens... Il y a vachement de statuts qui sont faits sur les systèmes, les réseaux sociaux, tout ça. Il y a d'un côté des gens qui postent vraiment des infos, qui sont retweetées, qui sont relues, qui sont suivies.
Et de l'autre côté, des gens qui posent des statuts essentiellement, mais qui ont très envie de montrer une semaine après à un pote, ah, j'avais fait un truc dément, j'avais jolté une info. Franchement, dans un mur de Facebook, retrouver une info qu'on a postée il y a une semaine, c'est juste impossible. Retrouver par la géolocalisation ou la date, bah, nous, ça devient très très simple finalement. Ouais. Voilà. Super. Autre chose à rajouter ? Bah, merci Johan. De rien. Au plaisir et bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.